Simon la dodo la fin doudou. Dodo assi do Simon la dodo. L'esprit garçon 2022. Chauvel, quartier de d'Akio, groupe à masse, groupe Kultigel, mouvement Kultigel. Attends pour moi, pour vous parler bien d'Akio. Week-end Nassa, week-end à l'explication, moment que nous attendons l'eau, et que l'année là, ça, Akio qui a pu fonctionner. Alors, abonne-nous à ce qu'on dit l'explication. Expliquez-nous l'explication, qu'est-ce que ça veut dire exactement? En fait, c'est qu'on croit bien tenir, depuis le décortique, on croit tenir l'esprit, qui c'est ça qui a animé, animé quoi, animé tout. Énergie à quoi, énergie à ka, qui c'est ka nous, ka tambou là, et son là, c'est parole là, c'est musique là, tout son péton à l'entour, c'est ça qui a l'esprit ka son. Alors, l'explication qui a passé le week-end là, ça, de vendredi à dimanche, qu'est-ce qui a passé, qui est-ce qui a déroulé? Eh bien, nous bien contents parce que l'année là, ça nous peut faire avec 3 jours là, parce que bon, l'année passée, ça a été plus compliqué nous faire, mais juste avant de débouler avec les Rosa, nous pas faire scène tous habitants. Donc l'année là, ça nous peut faire convenablement. Donc vendredi déjà, vendredi 29, qui c'est Grand Les Roses, puisque ça, c'est important pour nous à Kio, surtout à dans local en nous, à dans fondal en nous, les Roses, c'est important. Donc c'est hommage à Guy. Qui quitte nous pas ni Guy Conquête. Ouais, Guy Conquête qui ni au moins 10 l'année. Donc nous avons commencé avant un documentaire les grands hommes là parce que nous a bien vrai que nouvelle génération là soif des connaissances pour yo bien ni à 6 ans pays là pour yo pas comprendre c'est qui déro qui ni bon bitin. Voilà, donc nous un super documentaire en les hommes là avant les Rosa et après nous que rentrer en les Rosa jusqu'à documentaire là, c'est Guy Conquête vendredi, c'est à partir de quelle heure? À partir de 20h. 20h, ça a dit à peu près combien de temps? Bon, ça, nous n'y pour à peine ni net temps, donc après, tout de suite après, les Rosa a commencé. Ah, dans le documentaire là, c'est que juste parler de Guy ou bien est-ce que les gens qui là qui peuvent poser des questions, qui peuvent renseigner? Okay. Essayez justement que vous posez des questions, mais il ne faut pas ça qui est trop long. Mm-hmm. Ouais, parce que y a des gens qui sont déjà arrivés pour les Rosa, donc nous faisons en sorte que ça pas trop long. Très bien, donc bon qui veut ça pour y venir bonheur. Bonheur, voilà. Non, mais nous avons dit un incident, c'est à partir de 19h, on peut venir dans le local là, parce que comme nous avons bien dit que nous sommes artisans, puisque nous avons un village artisanal depuis vendredi soir jusqu'à samedi après concert. Donc, nous pouvons venir dans le local là, grand bonheur, pas de problème. Donc, en fait, le village a démarré depuis le vendredi. Depuis le vendredi. Donc, nous sommes artisans. Quoi comme artisans? Kenny toute qualité bitain parce que vous savez depuis dernier temps là depuis 2 ans là ces monde là y a pas tellement travail bitain t'es bandé pour tout le monde pas qui pour nous pour tout le monde mitain là arrête donc quand nous quoi faire manifestation nous toujours quoi faire un village artisanal parce que nous savons que ça y est les monde qui ca travaille qui graine qui c'est costume qui c'est collier qualité bitain y a bon est-ce que Kenny mange boit d'eau aussi là? Ah, c'est une question qu'on va poser. Ça pose. J'ai manqué un local là qui est. Donc, entre balaou, entre soupe, entre ezium, pas, j'ai manqué manger un local là. Alors, le samedi, passé, le samedi, comme si là, ça veut dire que samedi, à qui est, péqué en piéton là. Ah là, faut pas répéter bitement ça, parce que ça, piéton là, pas oublier qu'en 88, la ville peut appeler Bizin interdit nous piétonne pour raison, je ne sais pourquoi. Donc, nous menons lutte pendant quelques mois et nous avons gagné le combat à nous. Donc, piétonne peut que j'ai arrêté. Donc, samedi matin, justement, Tamboulak est sorti Chauvel, mais qui a eu un piétonne là jusqu'à 3h de l'après-midi. Et à partir de 3h de l'après-midi, nous avons reviré ici. Quand on dit au village artisanal là qui va y aller pour attendre 18 et 19h30 pour nous commencer avec concert à l'explication qui est en l'honneur à Fred Julianus. C'était qui mon? C'est un ancien à Akio, c'est un bouc qui était là, l'œuvre à Akio pour naissance et qui menait connaissance à, au niveau à tambour en bois avec Riach, avec toute la bande quoi. C'est des mondes qui ancré dans le mouvement qui tirait à Akio. Donc samedi soir, c'est qu'on on codier Fred Julianus. Et quelqu'un qui est dans tout ça? Eh bien, dans tout ça, nous avons concert à Tiboujon à Kiyo, parce que l'année là, ça c'était transmission. Donc, pour nous continuer, pour nous finir l'année là à transmission là, donc Tiboujon à Kiyo, ça avait des musiciens entre 5 ans et 15 ans qui ont commencé le concert là. Et après, nous avons Fred Julianus justement qui est venu raconter vie à Akio au niveau tambour et avec des poèmes, qui est si scène. Après, nous avons Dere Benal à Femme Avoukoum en les scènes là aussi qui est venu faire une super prestation parce que nous savons qui est important ce que Femme prend en tambour ici à Guadeloupe, qu'on nous problème
Akio pas de problème avec ça qu'on plein monde donc nous que là c'est yo qui vient pour nous une belle prestation et nous que fin avec jeunesse Nouka qui c'est des jeunes aussi plus jeunes à un moment qui sera là qui. Très bien. Et nous arrivons à dimanche gros morceau là. Ça c'est vous qui a dit ces gros morceau là. En fait nous qu'on nous a dit hein, pour nous tous ces jours là c'est bon jour depuis vendredi samedi dimanche. C'est vrai nous qu'on a rencontré, nous avons bien dit rencontré, donc faut c'est qu'on a là rencontré, faut pas mon vienne pour ce qu'on a là pas rencontré et nous rester, nous partager entre nous justement monde qui veut connaître d'autres monde qui partager, qui discuter si différents bitains parce que bon nous ouvert pour tout ça là et après ça qui mène nous à 17h pour grand déboulé masse vacances parce que nous savons nous ni plein amis, cousins, famille qui ca vienne dans pays là et justement ça a commencé dans les années 90 justement c'était pour ça. En fait, ça a commencé masse vacances. Donc, c'était pour les vacanciers, mais allez, encore que toute population là, tout pays Guadeloupe adopté. Donc, nous que finir avec ça. Donc, c'est que t-shirt à Kiyo, t-shirt qui a vendu depuis mardi, porte-monnaie, pas rester grand chose. En local là? En local là. On dit qu'il y a quel est, s'il y a monde qui besoin, porte-monnaie. Non, pour soir là, c'était jusqu'à 19h30. Donc, nous. Il y a quoi toujours? Pour qu'il fait au bon, ni les derniers mondes, comme nous là, nous pouvons fermer, donc il y a quoi faire. Donc, demain, c'est que à partir de l'Eleosa qui a commencé, jusqu'à temps infini. Pendant l'Eleosa, il y a quoi qu'il y a un t-shirt? Oui, il y a une vente à toute qualité bitin, CD, toute qualité bitin qui a vendre. Et dimanche aussi, dimanche matin, c'est qu'à rester. Voilà, très bien. Le dimanche arrivé, le dimanche soir arrivé, ça veut dire Akiyo qui a fermé le local là, il a passé en vacances, mais qu'il n'y a rien encore. Non, ça, le local là, Akiyo n'a pas rien qu'à fermer, puisque justement, le 13 août, la famille Akiyo et la femme Akiyo qui s'y balan au niveau danse, qui a proposé justement en journée danse le 13 août, avec Danse Haïti, Danse Goka. Et le 13 août, nous avons mis en bas d'informations là ça. Très bien, mais parfait. Le 13 août, ça peut être où là? Mais c'est toujours en local là. Ah, local là, qui est là? Là, ni place, ni, ouais, ouais. Et ni il a moula là. Mais oui, mais Fondal Natal, qui est là. Patrick Coquerel, merci beaucoup. En tout cas, rendez-vous dès demain, dès ce vendredi, rendez-vous à Chauvel. Et puis, vous allez pouvoir vous amuser, passer un bon moment. Qui est là toujours devant? Toujours devant, nous pas des modes. C'est qui est là?